Jamais joué à un jeu vidéo ou quoi? Bah tu vois quand tu veux. Trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Bon, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Il y a tout là-dedans. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Tu parles d'un scénario. Soudain, le drame. André transforme les lumes rouges en hoodlums. Le monde est en danger.
Ah, voilà. Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il a dû se planquer quelque part. Ah, ça, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Surtout pour toi. Hop, hop, hop. En fait, j'ai oublié de te dire, chacune de tes actions te rapporte des points. Tiens, regarde le compteur, je vais te montrer. Pousse-toi, ma poule. Lorsque tu marques des points, le panneau s'abaisse et tu passes en mode combo. C'est là que ça devient génial, parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus. Seulement, faut pas traîner, parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points. Ah, dernier truc. Les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors, essaye de faire le meilleur score, c'est pas le plus facile. Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver deux ou trois trucs utiles. Tiens, là, ils disent que pour sauter, il faut utiliser la touche de saut. Sans blague, voilà une info. Et là, ils disent que pour frapper, il faut presser la touche de tir. Bravo. Non, sérieux, il y a vraiment des types qui sont payés pour écrire ça. Rayman, t'es vraiment le meilleur. Attends, trop mort de rire. Le manuel dit que tu peux faire de l'hélico avec tes cheveux. L'hélico avec tes cheveux, ils ont fumé ou quoi? Globox! Globox! Oh, tu vas répondre? Mais, bravo, Rayman, tu es vraiment le meilleur des héros. Globox! Globox, au pied! Regarde, le concile est fait! Si tu veux draguer, je te déconseille l'endroit. C'est rempli de vieilles filles complètement gaguelles. Oh, mais ce manuel est vraiment épatant! Il explique que les interrupteurs servent à déclencher... des mécanismes! Non mais franchement, qui a écrit cette... Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un? Mais c'est la bonne Globox! Youhou! Rayman! Oh! Dites, on peut faire ça à trois. Pas de bonheur en début de jeu. Moi, je dis que ça cache quelque chose. Nya! Nya! Rayman, t'as allumé la lumière. C'est beau. Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent le concile d'effet. Non mais là, c'est plus possible. Après Rayman 2, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très... très... intelligente, oui, voilà. Bilan, je me retrouve à faire la mouche dans une série de... L'auteur insiste, ça doit être important. Bah, bah t'as plus qu'à remonter. En tout cas, moi je comprends mieux pourquoi les fées ne sortent pas en boîte. Rentre au concile à 5h du mat avec un petit coup dans le nez, c'est sûr que ça doit pas être facile. Vas-y Rayman et... Ah, excuse-moi, on me parle dans l'oreillette. C'est le Ubisoft, il s'excuse au nom de toute l'équipe pour cet entraînement. Je cite, pas très fun. Il dit que tu dois t'appliquer, car les tirs de côté te permettront de battre les Hoodlums. Entrez là! Vite! Tire-lui dessus, je vais pas te tirer mon temps! Écoute ça, le nain jaune! Une fois que j'aurai transformé l'énergie du cœur en Hoodlums, je reviendrai m'occuper de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah!
La lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Tenue de combat? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut! Ah non, Rayman! Ça appartient aux Glooms! C'est peut-être dangereux! Hey, trop la honte! T'as plus qu'à essayer de voir comment ça marche! La survie de tous les peuples en dépend! Vous me dites si j'en fais trop? Allez,
Mais oui, André! Allons demander aux moines. Le cœur! C'est là que toutes les énergies du monde sont concentrées! Apparemment, André y a pas touché. C'est bizarre! Vous avez pas vu André? Il est pas mort. On peut pas garder Globox près du cœur. C'est trop risqué. Rayman, Globox est ton ami. Alors, emmène-le auprès du guérisseur de la forêt. L'herfeuille. Je connais. Il saura comment éliminer André. Rayman, fais gaffe. André est un lymph noir, et les lymphs noirs, ils sont des pervers. Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Ha ha.